bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est samedi 15-16, je ne sais pas. Pff. Oh les dates, hein, c'est incroyable. Ça passe tellement vite. On est le 17. On est le 17 février. Il est 10h49. Donc ce matin, je me suis préparée. J'ai mis un truc tranquille. Voilà, ce petit haut qui venait de chez Shein avec la dentelle. Je sais pas s'il est encore disponible. Et pour le rouge à lèvres, c'est le 04 de chez Sephora sans transfert. J'ai mis un petit gloss de chez Merci Andy par dessus. Petite boule d'oreille toujours. Merci ma jolie. Voilà, voilà. Et le teint, pareil que d'habitude. J'ai un peu forcé sur la poudre, sur le blush. Je ne sais pas. J'ai, comme vous le voyez, transféré. Hop. On est où? Attendez, voilà. J'ai transféré ici tout ce qu'on doit emmener ici, qu'on a acheté chez, chez Action. J'ai d'ailleurs acheté d'autres petites choses que vous ne verrez pas dans le vlog, mais bon, qui sont sensiblement des couteaux, des choses comme ça, dans le vlog, dans le haut le mercredi. Mais voilà, j'ai été donc chez Action et j'ai retrouvé des petites choses. J'ai repris un diffuseur comme ça. Pour mon dressing, comme ça je vais en mettre deux, on va voir si ça diffuse mieux. Alors vous m'avez dit que certains d'entre vous m'ont dit que chez Rituals ils étaient bien, qu'ils diffusaient bien. Donc je crois que je teste les Rituals quand je vais y aller. Donc j'ai repris le même parfum, vanille et ambre. Je vous avais dit que j'adorais ces stylos là de chez Action, ils en faisaient plus pendant un bout de temps. Et là il y en avait, donc du coup j'ai pris deux packaging. Ils ont sorti des petites nouvelles, les petites lingettes comme ça que j'adore. Moi je me démaquille avec ça. Donc je me démaquille les yeux avec une petite lavette démaquillante lavable, hein, avec du biphasé pour les yeux et la bouche. Et après je me démaquille le teint à l'huile et après je rince avec ces petites lavettes. Je vais essayer de l'ouvrir avec la main gauche. Je vais aller les mettre à laver parce qu'il faut les laver la première fois. Mais j'adore les couleurs, c'est des couleurs très pastel, très pâques je trouve. Et voilà, elles sont comme ça et franchement elles ont la bonne taille. Voilà, une petite lavette pour démaquiller. Alors, vous pouvez l'utiliser sans démaquillant, mais moi, je les utilise avec de l'huile démaquillante. J'adore. Franchement, elles sont top, top, top. Il y en a 7 à l'intérieur. Elles sont géniales. Donc, elles sont en ce moment. Et vous verrez dans le haut le mercredi, mais j'ai pris deux autres petits cadres comme ceci. Alors, c'est pour moi, c'est pour mettre mes petites broderies, soit de Pâques ou de... Celle-là, je pense que ça sera pour Saint-Valentin parce qu'il y a un fond rose. Et c'est apposé, ça fait style Polaroid, donc c'est pour des petites broderies. Et j'ai trouvé ça sympa, donc il y a du noir, du bleu, du blanc et du rose. J'avais pas vu le rose dans un autre Action et là, j'ai vu qu'il y avait du rose. Donc voilà pour les petits achats de chez Action. Donc, le programme d'aujourd'hui, ce matin, il est déjà 11h10, donc il faut que je m'active un petit peu. J'ai des petites choses à vous montrer. J'ai des colis emballés, j'ai un colis Vinted à emballer, j'ai deux colis concours. D'ailleurs, en parlant de concours, j'ai fait le tirage au sort du dernier concours Merci ma jolie. La gagnante a été contactée, je vous remets le lien en barre d'infos, enfin le lien, je crois que c'est Steph2032, voilà. Donc c'est Steph2032, elle a été contactée, elle m'a déjà contactée, elle m'a donné ses coordonnées. Donc je vais pouvoir lui préparer son petit colis pour que ça parte. Et j'ai le colis de la gagnante du Flosstube à faire. Donc tout ça, ça va partir aujourd'hui. Je vais l'emballer là ce matin, ça va partir cet après-midi. Enfin, ça va être déposé au point relais cet après-midi. J'ai un colis aussi à les récupérer cet après-midi au point relais, donc dans un autre point relais. Et le programme de ce matin, c'est, donc je vais vous montrer les petites choses que j'ai reçues, mais le programme de ce matin, il faut que je fasse ça absolument ce matin, c'est débrancher tout l'électronique dans la chambre de Enzo et commencer à tout descendre. Voilà, je vais tout parquer ici dans le salon pour que bah, au fur et à mesure, à chaque fois que je monte à l'étage, je descende un truc. Comme ça, ça évite de faire 40 000 allers-retours. J'ai mon linge aussi à ranger. 40 000 allers-retours à l'étage monté, comme ça on monte, on descend un truc, enfin on descend un truc jusqu'à qu'on parte, comme ça on va stocker ça là. Et donc déjà je vais enlever tout ce qui est électronique, télé, etc. ce qu'on est sûr qu'il va prendre. Et après il faut que je fasse un call avec lui pour savoir ce qu'il prend exactement, ce qu'il prend exactement de sa chambre. Donc ça c'est pour tout à l'heure. J'ai cru voir le camion du chéri passer. Ouais, juste passé. Donc, j'ai cru voir. Donc, je sais qu'il a plusieurs clients dans le coin ce matin. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Mais il travaille. Donc, il travaille jusqu'à 14-15 heures. Et puis après, on ira faire les courses. Donc, ça, voilà. Ce matin, c'est ça. Il faut que je m'attelle à ça. Déjà, les choses principales. Et après, il faut que je fasse avec lui les tiroirs pour savoir ce qu'il veut que je prenne. Voilà. Donc, on a encore du temps pour tout préparer. Donc, tranquillement.
Du coup, le chéri lui a trouvé un vélo aussi. Il voulait un vélo de course. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Un vélo de course parce que, en fait, il veut pas dépenser les sous dans le tram ou quoi que ce soit. Et après, sur la base, eh ben, il peut se déplacer en vélo, etc. pour aller déjeuner, etc. Donc, c'est plus facile pour lui d'avoir un vélo sur place. Parce que pour l'instant, il n'a pas le permis. Le permis, normalement, ça sera pour le mois de septembre, je crois. Là, d'abord, il s'occupe de son appart. Et après, ça sera le permis. Le temps de remettre un petit peu de sous de côté. Voilà. Et donc, du coup, il a trouvé un vélo en discutant avec un collègue. Enfin, voilà, il dit, eh ben, moi, je vends un vélo de course. Voilà, pas très cher, un truc qui vaut 2000 balles. Il dit, moi, je m'en sers pas. Si tu veux, je te le vends pour la forme. Donc, du coup, bah voilà. Donc, il a été le chercher hier. Donc on va être chargé comme des bourrins, donc voilà, on va partir avec le camion de la société, comme ça, voilà, on va pouvoir avoir de quoi stocker. Donc voilà, le boulot de ce matin, pour moi, c'est ça. Et avant d'aller faire tout ça, je vais vous montrer les petites choses que j'ai reçues. Donc je vais m'installer, je m'installe juste ici, et puis je vous fais voir les deux petites choses que j'ai reçues. Notamment la box Merci ma jolie, donc comme d'habitude il y en a une pour vous. Et j'ai reçu un petit colis presse de chez Beauty Bay avec une nouveauté. Donc je pense que je la testerai dans le prochain vlog, parce qu'aujourd'hui franchement j'ai pas eu le temps, je me suis maquillée rapidement. Voilà, j'ai fait le teint, le mascara et j'ai mis du rouge à lèvres et c'est tout. Donc on va ouvrir ça, je m'installe, c'est parti. Et cet après-midi du coup il faut qu'on aille faire des courses. Il faut que je passe par la banque, il faut que je passe par la pharmacie pour aller chercher mes gouttes. Parce que j'ai presque plus de gouttes pour mon glaucome, il me reste 4 jours. Et chercher mes gouttes aussi pour mon examen. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un fond de l'œil un peu plus approfondi. En fait, j'ai des gouttes à mettre pour complètement dilater 45 minutes avant, 30 minutes avant. Enfin, voilà, il y a plusieurs gouttes à mettre. Et j'ai la vision qui est floue pendant 24 heures. Donc c'est mon mari qui m'emmènera et il m'attendra et viendra me rechercher. Voilà, on va commencer par Merci ma jolie. Donc comme d'habitude, il y a une box pour vous qui est ici. Alors cette box elle se compose, donc celle-ci c'est celle du mois de février il me semble. Voilà, c'est février, donc c'est sur le thème de l'amour. Et franchement elle est hyper mignonne, hyper mignonne. Alors on va être dans du cœur à fond les ballons, voilà, à fond les ballons. Donc on va avoir déjà, on va avoir un joli piercing. Je vais vous le mettre là, ça va être plus simple, le laisser sur le... On a un joli piercing en forme de cœur. C'est un piercing plat, j'aime bien les piercings plats comme ça moi. Donc en général, ça se visse vers l'avant, donc beaucoup plus pratique. Un piercing cœur, vous voyez, piercing plat, et ça se visse à l'avant, ça. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre je trouve. Donc ça top, on a un joli bracelet, mais alors très joli bracelet, avec une maille cœur, regardez-moi ça. Je suis désolée pour les ongles parce que voilà, j'ai fait beaucoup de vaisselle, beaucoup de... je vais faire une petite pause de vernis semi-permanent la semaine prochaine, donc au ce week-end. Voilà. Très joli, je vais le porter. Et puis du coup, dans les courses cet après-midi, il faut qu'on prenne ce qu'il faut pour demain. Parce que demain, on a des amis qui viennent pour une petite crêpe partie. On n'arrête plus les crêpes parties, nous. Ah, février, c'est la chandeleur. Hein. Voilà. Donc, hyper joli, ce petit bracelet. Tout en petit cœur. Très joli. Et les boucles d'oreilles, on a une paire de boucles d'oreilles avec des strass, ouais, un strass et je pense un, c'est pas un cœur, hein, c'est un genre de, si c'est un genre de petit cœur, un petit cœur, si ça pouvait me faire le focus, ça serait formidable. Donc on a un petit strass, donc je pense que ce sont des créoles. Ah non, c'est pas des créoles, c'est des fausses créoles, ce sont des demi-créoles. Ah bah ça c'est sympa, regardez ça. Demi-créole avec un petit strass, très joli. Donc vous pouvez également vous abonner à cette box là, je vous mets le lien du site. Vous avez également un code promo, un code promo qui vous donne je crois moins 20% sur le shop pour pouvoir acheter eh bien les bijoux qui vous intéressent sur le shop. Ce sont qui sont en acier inoxydable et moi j'aime beaucoup cette box, je trouve qu'elle se complète parfaitement avec la box, ma box bijoux, donc au top, même si je trouve que ma box bijoux c'est une petite qualité au dessus. Voilà. Vous savez tout. Donc les conditions du concours, hein, comme d'habitude, tout est noté en barre d'informations. Alors, Beauty Bay. Beauty Bay, Beauty Bay. Donc j'ai reçu la nouvelle palette. Ils ont sorti une nouvelle palette pour la Saint-Valentin.
Et ils m'ont mis des petites choses d'autres avec. Donc la nouvelle palette, c'est celle-ci. Donc c'est pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc c'est la Reckless Romance. Il y a 20 fards à l'intérieur, mat et brillant. De quoi faire des looks assez soit romantiques, soit assez grunge. Hein, vous voyez, donc la palette, comme ça, comme toutes les Beauty Bay, elles sont vraiment top. Vous avez un grand miroir. Hop, un grand miroir. Et vous avez les fards qui sont ici. Vous avez des fards. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un fard noir. Il y a un fard beige un peu là pour faire le creux. Ça fait pas mal. Et on a quand même des fards irisés et pas mal de fards mat. Donc, on peut faire du make-up complètement mat. Alors, c'est assez dark. Hein, mais on peut faire des choses un peu sympas. Donc, j'essaierai de faire un make-up avec la semaine prochaine pour la tester. Pour vous dire un peu ce que j'en pense dans le fond. Mais en général, elles sont pas chères, les palettes Beauty Bay. Et elles sont de très, très bonne qualité. Je trouve que vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et ils m'ont mis des petites choses donc, que j'ai déjà. Donc, je vous les mettrai dans un prochain concours. Donc, d'ailleurs, le concours des 26 000 abonnés... il sera vendredi, je pense, parce que là, ça y est, j'ai quasiment fini les lots. Et comme j'ai beaucoup de choses à faire là avec l'emménagement d'Enzo, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à aller acheter. Voilà, je suis pas souvent à la maison. D'ailleurs, je brode quasiment rien parce que j'ai pas le temps. Ça va pas, ça. Hein. Donc, ils m'ont mis un mascara qui est le Ike. Alors, je ne vais pas l'ouvrir puisque il sera pour vous dans un concours. Voilà. Hop là. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. J'ai également, alors ça moi je l'utilise pas, j'utilise pas ça, moi j'utilise plus du, c'est du savon, enfin un brush up brow soap comme ceci de chez Beauty Bay pour les sourcils. Bon c'est pareil, ça je vous le mettrai en concours. Et ils m'ont mis bien sûr je pense à l'intérieur, ça doit être toutes les petites brosses pour bien faire les sourcils. Alors hop, on va essayer de les mettre proprement pour que... C'est les petites brosses qui vont... C'est un lot de petites brosses, vous voyez, en bambou comme ça. C'est un lot de petites brosses comme ça pour les sourcils. Alors, les petites brosses, elles ont l'air vraiment bien. Hein. Donc, je vous mettrai ça, je pense, en prochain concours. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos, les liens de ces produits-là. Et puis, je pense que la semaine prochaine, on se testera la palette. Voilà. Alors là, je vais aller emballer mes petits colis Vinted. Et concours, comme ça, cet après-midi, je vais pouvoir tout mettre au point relais en allant faire les courses, puisque à Carrefour, il y a un truc là, rapide, là, vous savez, avec les caisses, là, de chez Mondial Relais. Je prépare mes ordonnances aussi, et j'ai des chèques aussi à déposer à la banque. Donc cet après-midi, on va faire le grand chelem avec le chéri, comme voilà, faut que j'ai fini tout ça ce matin avant qu'il revienne. Bon, j'ai encore jusqu'à 14-15 heures, donc il est 11 heures. Donc là, je vais finir mes emballages. Ensuite, je vais aller faire quelques allers-retours déjà pour descendre la télé, les enceintes, etc. Et je pense que tout à l'heure, j'ai envoyé un petit message à Enzo pour savoir, je ne sais pas, non, aujourd'hui, normalement, il ne travaille pas, on est samedi, pour savoir exactement ce qu'il veut qu'on prenne dans sa chambre. Donc, il faut que je fasse un petit call tout à l'heure. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire part un petit peu ce que j'ai déjà descendu, etc. Et ce que j'ai fait. Voilà, allez. Bon, je vous reprends, j'ai chaud, j'ai fait au moins 10 allers-retours les escaliers. Ouh, j'ai attrapé un coup de chaud, j'ai fait mon sport pour la journée, j'ai fait mon sport pour la journée les gars. Bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai descendu. Donc là j'ai fait des petites visios, enfin des petites stories, enfin stories, des petites vidéos avec Enzo sur chaque point de la chambre, savoir ce qu'il voulait qu'on emmène, notamment... chaque petit pôle, parce qu'après du coup cette pièce là va être une chambre d'amis slash chambre d'Enzo quand il vient. Donc il faut que tout soit enlevé de ce qu'il veut, et puis à chaque fois qu'il va venir en permission, s'il y a des choses qu'il faut qu'il veut ramener, mais il amènera un grand sac. Alors j'ai déjà descendu toute sa hi-fi, j'ai encore des choses là-haut, ça sera je pense demain le reste, comme ça je vais faire au fur et à mesure. Il faut que je fasse les poussières de tout, parce que alors voilà, quand il n'est pas là, personne n'est dans la chambre. Donc il y a son écran de PC, là-dedans il y a du PC, il y a plein de choses dans le panier à linge. J'ai le couvercle qui est là-haut. Il y a sa télé, il y a ses enceintes, il y a des deux enceintes. Là il y a du linge, là c'est principalement des vêtements pour la marine, pour le boulot. Là aussi c'est vêtements marine nationale. Ici il y a quelques vêtements aussi, donc il faut que j'aille rechercher un sac dans la voiture pour mettre tout ce qui est vêtements.
Ou soit je mets tout dans un sac poubelle, je ne sais pas trop encore. Je vais voir ce que j'ai comme sac parce que du coup, y a beaucoup de sacs qui ont été pris là de chez Action et les cartons, on n'a pas tant de cartons que ça. Donc là, il me reste les vêtements. On y a pris aussi ses rollers. Il me reste encore ses diplômes. Enfin, il y a encore pas mal de choses dans la chambre à descendre. Il y a quand même encore pas mal de choses à descendre. On va être chargé comme des bourrins. On va être hyper chargé dans le camion. Ça va être hyper chargé. Et en plus, nous, quand on va arriver, en fait, l'état des lieux n'est que le lendemain. On a l'état des lieux que le lendemain et la remise des clés. Mais bon, il est content qu'on soit là quand même pour la remise des clés. Je regarde s'il y a en même temps. Voilà. Là, je vais renvoyer d'autres trucs. Donc, moi, je vais me faire à manger. J'ai un coup de chaud, les gars. J'ai mon chéri qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il va manger et après, il rentre et on va faire les courses. Donc, on va y aller en début d'après-midi. Faut que je passe par la pharmacie. J'ai pas refait les remises de chèques avec tout ça. Donc là, il est midi 20. Je vais me faire à manger déjà. Et puis, cet après-midi, je pense, au retour, on va continuer à vider la chambre. Parce que bon, je pense qu'il va falloir au moins la semaine pour vider ça. Et puis, refaire chaque point, trouver le rangement de tout. Je crois qu'il a même des choses là-bas dans l'atelier, donc faut qu'on voit. Mais je sais pas s'il a une cave pour ranger tout son barda, donc je sais pas trop. Donc on va voir ça, faut que je trouve des sacs et tout, voilà. Donc je vais continuer à faire ça ce week-end, comme je vous dis tout à l'heure, course, et puis demain, petite crêpe-party entre copains. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Pour vous, on est lundi, donc un bon début de semaine. Pour moi, ça sera le week-end. Mais pour vous, on est lundi, donc un bon début de semaine. On se retrouve donc mercredi avec un big haul Action, BM, Centracor, Stokomani, avec tout ce que j'ai pris pour l'appart d'Enzo. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. Et on se retrouve vendredi pour un nouveau vlog, pour voir la suite des préparatifs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Ciao! How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we